Salut, je vous retrouve pour vous présenter le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, celui-ci, il est vraiment très très beau. Alors, je vais essayer de dire le nom, mais vous savez que j'ai du mal. Alors, je vous le montre. Je pense que c'est Lunéa. Alors, Waterstone. J'espère que je le prononce bien. Mais voilà, en tous les cas, vous l'aurez vu. Ce superbe coffret, donc suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée. Donc on a 78 cartes, hein, avec un livre d'accompagnement quand même de 240 pages. On a un sac satiné pour protéger les cartes. On nous dit, une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Vous rencontrerez des sorcières et des magiciens de toutes sortes, des fées et des elfes, des animaux terrestres ou de l'autre monde, des fantômes, des êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser, et même des vieux chevaliers tristes. La forêt elle-même est pleine de mystères. Elle regorge d'arbres noueux, de fleurs magiques, de grottes scintillantes, de bassins d'eau naturelle et de buissons d'épines. Grâce à ces cartes inspirées du Rider White Smith, pardon, vous découvrirez la sagesse magique du tarot pour aligner votre destin à la puissante source d'énergie subtile qui tisse la toile de la vie. Eh bien, on va découvrir. Donc, c'est quand même un gros coffret, hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur. Le magnifique livre qui a 240 pages, qui est superbe aussi. Alors, la boîte. Je vais la mettre là. Le super joli pochon. J'aime bien ces couleurs or clair. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça, c'est le derrière des cartes. Et elles sont de couleur or brillante. Donc, on verra les cartes après. Pour l'instant, je voulais vous montrer le livre. Voilà. Oh, c'est super beau. Vraiment. Donc, on a le tarot donc des esprits de la forêt enchantée. Voilà. Donc, on a le sommaire qui est juste ici. Même assez grand, le remerciement, l'introduction, c'est trop beau, vraiment. Donc le voyage, on vous nous explique les cartes, les arcanes majeures, la foire aux questions, comment utiliser vos cartes, battre et couper, des détails, des tirages, conseil du hibou. Regardez-moi ça. La forêt enchantée, les arcanes majeures, le cerf. C'est magnifique. Donc on vous explique la carte. Après, on vous dit en bref. Donc c'est comme les mots-clés et plus de détails. Voilà. Donc franchement, et tout le long, voilà. Alors, je voulais juste vous montrer. À chaque. Vous avez des images. Hop. Vraiment, mais on voyage, hein, c'est magnifique. J'adore. Voilà, c'est très très beau. Donc là, vous voyez un peu les cartes, hein. Là, vous pouvez mettre des notes. C'est le journal de notes. Voilà, qui est très joli aussi. Donc là, ce que je vous propose, c'est de découvrir les cartes. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je les positionne ici. Je vais zoomer pour bien vous les montrer. On va juste bouger un petit peu. Peut-être moi qui vais me centrer, ce serait mieux. J'aime bien quand tout est droit. Ah là là. Là, c'est bon. Je pense que vous allez bien les voir, les cartes. Je vous laisse découvrir à tout à l'heure. Thank you.
pour la présentation de ce superbe tarot. Vraiment, je dis superbe parce que je le trouve mais vraiment magnifique. Si jamais vous en faites l'acquisition, je le remets là, voilà, pour que vous voyez. N'hésitez pas surtout à me faire un petit retour en commentaire. Comme vous avez pu le voir, les cartes, elles sont juste... elles portent bien leur nom, hein. C'est vraiment enchanté, voilà, la forêt enchantée avec les cartes qui le sont, toutes, elles sont toutes très très belles, franchement on voyage, donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour si jamais vous en faites l'acquisition. À bientôt.